Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un sujet qui va très certainement déchaîner les passions, je vous demande s'il vous plaît à tous, par respect, de rester jusqu'à la fin de la vidéo, de comprendre l'intégralité de nos propos, avant de donner votre avis, peut-être en commentaire, bien évidemment dans le respect. Alhamdulillah, avant de commencer cette vidéo, notre religion musulmane nous apporte des éléments fondamentaux, des éléments sur lesquels il n'y a pas de divergence et sur lesquels personne ne peuvent venir remettre en question ne serait-ce que l'once d'un doute parmi ces derniers. Le premier d'entre eux, et le plus important et le plus essentiel, c'est ce que l'on appelle la notion de tawhid, de l'unicité d'Allah, le fait de ne reconnaître qu'un seul Dieu et de se désavouer de toute autre forme de culte ou de rite. D'ailleurs, notre phrase que nous disons pour entrer dans l'islam, c'est « La ilaha illallah », il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Et cette phrase est construite d'une manière grammaticale et linguistique assez belle. Elle commence d'abord par dire « il n'y a de divinité », c'est-à-dire de refuser toute forme d'adoration, puis de reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'on peut être musulman, on ne peut pas être musulman tant qu'on n'a pas d'abord décrété qu'il n'y a pas de Dieu et qu'on ne s'est pas désavoué de toutes ces formes de divinité ou de choses qui y rapprochent avant de décréter qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cette vidéo également, nous l'avons faite car c'est le travail de tous les prophètes et de tous les messagers. Chaque fois qu'un peuple qui croyait en Dieu commençait à légèrement s'écarter ou à sortir du chemin droit, Allah envoyait des messagers et des prophètes les rappeler au droit chemin et leur dire que ce qu'ils ont fait, que ce qu'ils ont dit, que ce qu'ils ont commis comme acte parfois mondain ou atroce est quelque chose qu'Allah n'apprécie pas. Ces prophètes-là ont très souvent été combattus par leur peuple. Car très souvent, la globalité, la masse des gens, lorsqu'elles se retrouvent, elles ne jugent pas selon les raisons. Elle ne juge pas selon la raison et les preuves, mais très souvent, elle le fait en utilisant sa passion et ses émotions. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons faire preuve de raison et de preuve, et nous allons essayer de mettre de côté nos passions et nos amours, d'antan ou présent, inshallah ta'ala. Nous avons décidé de faire cette vidéo parce que ce sujet est en train de brûler, de polémiquer dans tous les sens, au point où plusieurs médias et chaînes YouTube ont même parler et condamner vigoureusement cet acte dans la communauté et dans la YouTube-sphère ou dans la toile du web. Our brother Abdul Karim Benzema. Abdul Karim Benzema. Listen carefully. Uqsum billah al-adhim. Wallahi, this should make us sick to our stomach. Yeah? Allah subhanahu wa ta'ala who's created the heavens and the earth. Heavens and the earth. Who sustains you? Cet acte-là, je vous propose dans un premier temps de le regarder et de le commenter. Alors comme vous le voyez dans les images, ici nous sommes en train de voir le Real de Madrid qui suite à sa victoire dans la Champions League est en train de se diriger vers ce qu'on appelle la cathédrale de Almudena. Cette cathédrale se situe à Madrid et sont en train de venir les uns après les autres et d'effectuer une cérémonie globale dont le but est de présenter la coupe à notre mère Marie, qu'Allah la préserve. Et à la fin de cette vidéo, vous voyez que tout le club du Real de Madrid se prend en photo avec le cardinal de Madrid et vous aurez, je pense, aperçu le joueur Karim Benzema porter lui-même de ses propres mains la coupe pour la présenter de ses propres mains à la Vierge Marie. Maintenant que nous avons vu les images, parlons des faits. Ces faits vont être extrêmement épineux parce qu'ils vont mentionner quelqu'un qui est apprécié de la communauté musulmane de manière générale, qui est notre frère Karim Benzema. Karim, qu'il a promulgué et mis en avant bon nombre de fois, notamment durant le mois de Ramadan, ou après des victoires, lorsqu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, lorsqu'il dit Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, nous avons un musulman qui a commis un acte. Cet acte-là, nous allons essayer de le décrypter de manière factuelle et de dire ce qu'il représente en islam. Nous avons un musulman qui va dans une église. Est-ce qu'un musulman a le droit de se rendre dans une église? Oui. Est-ce qu'un musulman a le droit de se rendre dans une église pour une cérémonie? Tout dépend de la cérémonie et tout dépend de son implication dans une cérémonie. Imaginez-vous, moi par exemple, si je vais dans une église ou dans une synagogue et que je porte la toge d'un prêtre et que je commence à chanter avec eux ou que je me mette à l'orgue comme pour composer un peu de musique. Est-ce que c'est la même chose que si je suis musulman et que je suis derrière simplement en tant qu'observateur? Bien évidemment non, car je suis impliqué dans ce rituel et mon implication dans le rituel fait de moi quelqu'un qui a commis un acte très grave en islam. Car l'islam, comme nous l'avons dit, sur le fait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que toute forme de statue, de stèle, de représentation autre que Dieu n'est pas quelque chose que nous avons, n'est pas quelque chose en quel nous croyons. Et bien que je suis musulman, je peux commettre ce que l'on appelle en islam le shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer quelqu'un ou quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que le fait d'associer quelqu'un ou quelque chose à Dieu? C'est le fait de faire quelque chose que je fais habituellement pour Dieu, pour autre que Dieu. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite que je me prosterne devant lui. Si je me prosterne
par vénération devant quelqu'un d'autre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai commis le shirk. Par exemple, Allah est le seul à maîtriser l'avenir et de savoir ce qui va se passer dans le temps futur. Si je vais voir un devin, je lis l'horoscope et je fais quoi contre comme acte, alors j'ai commis le shirk. Si par exemple, je porte une main de Fatma ou une amulette et non pas une allumette, bien que les deux peuvent mener au feu, ou quelque chose qui pourrait me protéger contre le mauvais œil, le aïn, comme certains font, je porte ceci, khamsa fa'inik, toutes ces choses, alors ceci est également aussi une forme de shirk. Et le shirk n'est pas pardonné à Allah. Maintenant, des gens vont nous dire, mais tout dépend de mon intention. Il se peut, par exemple, que j'ai mis une main de Fatma chez moi, mais simplement à titre décoratif. Ce n'est pas un argument acceptable en islam. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a démontré que nous devons avoir une forme de rejet pour ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Si chez moi, par exemple, je veux porter quelque chose qui représente une arabesque, j'ai le droit. Mais si c'est une main de Fatma, j'ai pas le droit. Si c'est le pied de Brahim, j'ai le droit. Même s'il est en guirlandais dans des formes d'arabesque. La même chose pour la croix. Est-ce que j'ai le droit de porter une croix comme ça sur mon t-shirt? Oui. Mais si je la porte comme ça, comme la croix de Jésus? Non. Parce que c'est un acte qui représente une adoration d'une religion qui n'est pas la nôtre. Mais l'adoration, ce n'est pas uniquement que de dire « Ô Jésus, ô Marie, priez pour nous, Ave Maria » ou je ne sais quoi. C'est également aussi faire preuve de n'importe quel rituel, cérémonie, qui se rapproche de ces formes de culte, quelles que soient les conséquences que nous en avons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les bases que l'on apprend à chaque petit enfant musulman, c'est de dire « Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud » Ô vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion, vos cultes, votre pratique, et j'ai la mienne. Dans le shirk, il y a le fait de faire une offrande ou de présenter quelque chose à une autre divinité. Ceci est un acte clair de shirk. Le fait de prendre quelque chose, de le présenter à une divinité, dans un moment de joie, c'est considéré comme une offrande. Et d'ailleurs même, sur le compte Twitter du Real de Madrid, il est écrit « le club du Real de Madrid offre la 14e Liga et la 35e Liga à la cathédrale » et donc ils l'ont offerte à la Vierge Marie. Bien évidemment, ceci est ce qu'on appelle en islam un qurban. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le mouton de l'Aïd que nous sacrifions chaque année, c'est un qurban. C'est une offrande que nous faisons pour Allah. C'est quelque chose que nous faisons pour nous rapprocher d'Allah. Et toute offrande que je fais dans ma vie, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est parce que mon club l'a fait, même si c'est parce qu'on me l'a demandé, c'est une forme de shirk. Maintenant, désormais, parlons du shirk. Le shirk est le pire péché qu'il soit en islam. C'est l'abomination la plus extrême. Prenez quelqu'un, par exemple, qui est tué dans sa vie sans petit orphelin et qui est massacré des enfants et des femmes sans aucune raison. Il est moindre aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à la personne qui a commis le shirk. Pourquoi ? Parce qu'Allah est celui qui nous nourrit, celui qui nous abreuve, celui qui nous donne tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est rapporté dans le hadith authentique, il ne veut pas voir de nous une forme de shirk, c'est-à-dire le fait de s'orienter vers quelqu'un d'autre pour le remercier d'un bienfait alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le donne. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dispose d'une forme de jalousie. Pas la jalousie que nous avons nous les hommes, mais d'une jalousie de nous voir faire autre que lui. D'ailleurs Allah dans le Coran nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose ou quelqu'un et il peut pardonner à quiconque. C'est-à-dire je peux boire de l'alcool, je peux fumer, je peux, qu'Allah nous en préserve, forniquer, faire quel que soit le péché, peut-être qu'Allah azzawajal va me pardonner. Mais si je meurs sur le shirk, c'est sûr et certain que c'est pour moi l'enfer. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et Allah ta'ala dans le Coran nous dit « Inna shirka la dhulmun azim » Le shirk est certes la plus grande des injustices qu'il soit sur terre. Il n'y a pas d'injustice, de hagra, il n'y a pas de mal plus nauséabond. Et maintenant, on peut se poser aussi la question, est-ce qu'un musulman peut commettre le shirk? Est-ce qu'un musulman peut commettre le shirk? Est-ce que quelqu'un qui fait le ramadan, qui fait sa prière, qui peut même aller en umrah ou hajj, peut faire le shirk? Bien évidemment que oui, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Luqman, il nous dit « Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah » Allah il nous dit quand il parle de ceux qui commettent le shirk, et si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» il te dirait très certainement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que des gens, ils savent qu'Allah est le créateur de tout. Mais dans leur pratique, dans leur vie, ils vont commettre des actes de shirk qu'Allah nous préserve. Maintenant, concernant le cas direct de notre frère Karim, est-ce que c'est un mushrik? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir l'appellation d'incroyant? Est-ce qu'il est sorti de l'islam? Car le shirk, quand il est commis en pleine conscience, fait sortir de l'islam. Nous ne sommes pas habilités en tant que musulmans pour le juger. Nous, en tant que musulmans, on se doit de garder le bon soupçon de notre frère, tant qu'il n'a pas eu un bayan, une explication claire. Et s'il est conscient de son acte, nous demandons à Allah Azza wa Jal
de le guider et de faire en sorte qu'il comprenne la gravité de cet acte ignoble et qu'il revienne à lui repentant. En tant que musulman même, dans la législation et dans la loi musulmane, nous savons que certains actes sont considérés comme du kufr, comme de l'incroyance, mais ces actes de kufr ne rendent pas la personne qui l'a fait incroyant. Pourquoi ? Parce que peut-être que la personne qui l'a fait par ignorance, par suivi de la passion, par paresse, ou peut-être par perversion de son âme, et toutes ces choses-là reviennent aux savants et aux personnes de science. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, nous pourrons faire un live avec plusieurs étudiants en sciences religieuses et plusieurs imams compétents sur le sujet pour analyser plus en détail cette question et apporter les réponses claires. Maintenant, conclusion générale à tous les jeunes musulmans et à toutes les jeunes musulmanes. Pourquoi parler du cas Karim Benzema ? Alors Karim, que nous l'aimions ou pas, et je pense que la plupart d'entre nous, nous l'apprécions et nous l'aimons en Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons premièrement, à la vue de ces images, ressentir un peu de gêne et de peine. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que Karim est un jeune parmi d'autres jeunes. C'est que si Karim en est arrivé à faire cet acte-là, c'est que beaucoup d'autres jeunes musulmans pourraient le faire également, sans peut-être même se rendre compte de la gravité de ce qu'ils font. Et ceci est dû au principal fléau, le plus destructeur, le plus horrible, qui est l'ignorance. Al-jahl al-dhulumat. L'ignorance, c'est une obscurité, c'est une pénombre. C'est comme rouler à 180 km/h sur l'autoroute, en pleine nuit, sans phare, sans plein phare, sans feu de détresse, sans rien. On finira forcément par aller droit dans le mur. Et ceci est même contraire au premier ordre qu'Allah a fait descendre dans notre religion. Allah, le premier ordre qu'il a donné à l'humanité dans le Coran, c'est « Iqra, lis, renseigne-toi, cultive-toi, connais ta religion, apprends-la, maîtrise-la, connais ce qu'est le tawhid, car tu es créé et tu es né pour ceci. Connais son importance, connais ses délimitations. » Connais l'inverse du tawhid. C'est ce qui te fait sortir de l'islam et ce qui te préserve dans ce navire, comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, ce navire qui est le navire de l'islam, pour que tu puisses mourir en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, si toi mon frère, si toi ma soeur, tu écoutes cette vidéo, n'a pas pour but d'accabler Karim. Lahu ma lahu alayhi ma alayhi. Il a ce qu'il a comme bonne action et il aura contre lui ce qu'il a comme péché. Et nous ne serons pas dans sa tombe le jour dernier. Wala tazir waziratan wizra ukhra. Et nulle âme ne portera le fardeau d'une autre ce jour-là où ni nos familles, ni nos biens nous seront d'une utilité. Par contre, c'est une remise en question pour chacun d'entre nous, une introspection. Connaissons-nous réellement qui est Allah subhanahu wa ta'ala ? Il y a un exemple que je dis souvent et qui est révélateur de notre ignorance à nous, la communauté, à cette communauté jeune qui ne maîtrise pas et qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous, on connaît Qul huwallahu ahad ? On connaît tous cette sourate. D'ailleurs, je pense qu'on prie peut-être 3-4 fois par jour avec Qul huwallahu ahad, mais combien d'entre nous savent ce que veut dire Allahu samad ? On le répète tous les jours, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire, subhanallah. Ceci est malheureusement le fruit de notre ignorance. Et il y a beaucoup, je pense, de jeunes comme Karim Benzema qui pourraient tomber dans ce péché. Donc, cramponnez-vous à votre religion, apprenez la parole d'Allah, lisez le livre d'Allah, comprenez ce qu'Allah vous a dit, comprenez ce qu'Allah a voulu vous dire, ce qu'Allah veut de vous. Cette vie est tellement courte. Combien de jeunes étaient parmi nous, ils sont morts ? Combien voulaient prier demain, mais sont morts hier ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider moi, de vous guider vous, ainsi que toute la jeunesse musulmane, vers ce qu'il a de bien. Ce message est un message positif. Ce n'est pas un message qui a pour but de transmettre des valeurs destructrices. Mais c'est un rappel à l'ordre, pour nous, tous en tant que musulmans, pour revenir au droit chemin. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh.